tout cas, les Crows, j'avais adoré le 1. J'avais totalement oublié qu'on l'avait fait, mais maintenant je me souviens du jeu et le jeu était très 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 bien. Donc là on fait le 2, mais c'est la démo. C'est pas le jeu complet, c'est juste une démo. Donc je sais pas combien de temps ça va durer. Mais on y va. Bon bah c'est parti, allez let's go. Tech vitamine. Ah, faut que je prenne mes vitamines. Hop là. Avant que je prenne mes affaires pour la randonnée, je devrais faire quelque chose d'autre. Ok. Salut, ici vous avez besoin d'un petit endroit cosy, loin du stress. C'est l'endroit parfait pour 25$ la nuit. Ok. Bon alors malheureusement le jeu est en anglais, les Crows. Hein. En tout cas, putain, la baraque est stylée. T'as vu la maison, comment elle est belle? Ah, le sac. Ok, on va aller faire de la randonnée. Ok, faut que j'aille prendre mon nouveau livre. Oh, mais attends, c'est archi beau là, putain, la terrasse. Le barbecue! Alors, on dirait pas du tout un jeu d'horreur là, c'est très drôle. Hein. Alors, faut que j'aille choper mon livre. Sinon, on va se faire chier. Voilà. Finalement, je devrais prendre de la nourriture. Ouais. 0 sur 5. On va ouvrir le frigo. J'ai vu qu'il y avait un frigo là. Qu'est-ce qu'on se prend, les Crows? Ah bah tiens, il y a de la sauce. Lol. On va se prendre sandwich. C'est quoi ça? Haricots? Sauce tomate? Du thon? Et ça, je sais pas. Ok. Head out. On peut y aller. Tous les Crows réunis dans cette maison? Ah ouais, avec le barbecue, là. On se pose tous ici. Pa. Moi, je fais le barbecue. Ici, c'est celui qui s'est abonné depuis le plus longtemps. La place du chef, le roi des crocs. Et moi, je suis là et je fais les steaks. Pas mal, hein. Ça serait une bonne soirée. Hein. Bon, allez, on se casse. On va faire un peu de rando. On a tout, hein. Ah, putain, fils de pute! T'as pas appris à sonner, connard? Oh, il m'a fait peur. J'ai failli avaler de travers. Oh, le bâtard! Vous aussi, vous avez flippé ou pas? Oh! Le screamer d'entrée de jeu qui te saute à la gueule. Ah, oh, putain, mais regarde-moi cette tête en plus de taré, là. T'entends le cœur, là? C'est le mien, là. OMG, mais what? Je me suis cogné la jambe contre mon bureau. Et je crois que personne s'y attendait là avec Rose. On s'est tous fait avoir. On s'est tous fait niquer. Bon, qu'est-ce qu'il nous veut cet animal? Hey! Tu n'as toujours pas payé le loyer. Ça fait 2 mois. Je vais devoir te virer. Ah, c'est le proprio. Putain, mon cœur. Attendez. Ouf. On va se retrouver avec des bleus à cause de Toshi. Merde. Lily, t'as pas eu peur? Putain, la vache, t'es super forte. Hein. Ok, on n'a pas payé le loyer. Eh, pas besoin d'entrer comme ça. Je promets de payer très bientôt. Laisse-moi encore quelques jours. Ok, c'est ta dernière chance. Tu as 3 jours. C'est assez, merci.
Oh, comment il nous a fait peur! Vous imaginez, c'est lui le stalker? On va commencer à faire nos théories dans le chat, hein. Moi, je dis c'est lui qui va nous stalker. Ok, on part en rando. Oh putain, on arrive en pleine nature, c'est cool. Je suis finalement arrivé. C'était un long trajet. On y va. Ok. J'ai pris mon sac, c'est bon. Ok, on a garé la voiture ici. Près d'un lac. Let's go les crozes. Partons en randonnée. Vous sentez la mer d'arriver ou pas là? Parce que moi, oui. J'étais en train d'écrire mon message, du coup j'ai échappé au jumpscare. T'as eu de la chance. Oh! Y'a quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? T'es qui, toi? Qu'est-ce qu'elle branle là? Eh, hey, comment ça va? Étrangère. Oh, salut. Je prends juste un petit break. Je suis sur le chemin du retour pour chez moi. Ok, je vois. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais à une cabine. Ah, j'ai été à la cabine. C'est peut-être là où on doit aller du coup. Genre, c'est un espèce de Airbnb dans la forêt. C'est un endroit génial. Je suis Elisabeth. Au cas où. C'est actuellement l'endroit où je vais. Enchantée. Je suis Rachel. Tu as encore un peu de route avant d'arriver à la cabine. Mais je suis surprise de te voir ici toute seule. Pourquoi ça? Tu n'as pas entendu les histoires? Ils disent qu'il y a un tueur on the loose, je sais pas ce que ça veut dire. C'est probablement rien, mais tu devrais faire attention. Ok, il y a un tueur dans la nature. Excellent. On a choisi le bon jour pour aller camper. On va tomber sur des dégénérés dans la cabane. Oh là là. Il y a un tueur dans la nature. Bon, je ferais mieux d'y aller maintenant. J'espère que tu vas kiffer ton voyage. Bah écoute, avec ce que tu viens de me dire, j'ai un peu peur. Un tueur en liberté? Pourquoi il y aurait quelqu'un comme ça ici? Allez, on y va. On sait maintenant qu'il y a un tueur pas loin. On adore ça, les tueurs dans la forêt, c'est une bonne décoration en plus. Quel enfer. Quel enfer. It's probably time to start setting up camp for the night. I can cover the final distance tomorrow. Ah, faut que je pose ma tente ici. Ok. Ouais, faut que je la mette là, je crois. Ah, on va camper dans la forêt avant d'aller à la cabine. Oh, on est mort. Let's read a bit of the new book I book before going to sleep. Ok, faut lire un peu. Heureusement qu'on a pris un livre. Elle a l'air grande, la map. Ouais, la forêt a l'air très grande. Une heure plus tard. Qui est là si tard? Prenons ma lanterne et regardons dehors. Presse F to turn the lanterne. Ok, on va aller. Putain, j'ose pas du tout sortir là. C'est la pire situation. T'es en train de camper dans une forêt au milieu de nulle part en pleine nuit.
t'entends des bruits de pas autour de ta tente et tu dois aller checker autour. Est-ce que ce serait pas le pire scénario au monde, ça? Ça va, Ralen? Bon bah let's go, hein. Regardez autour de la tente. Il y a une photo. C'est quoi ça? On dirait une photo de famille. Peut-être que quelqu'un l'a juste laissée là par accident, en marchant. Peut-être qu'il l'a... Oh, j'y crois pas. Alors attendez, parce que ce qui est très bizarre sur cette photo, c'est que la fille de gauche, on dirait Elisabeth, la fille qu'on a croisée sur le banc. On dirait beaucoup cette fille. Et le mec de droite, on dirait le gars qui nous réclame le loyer. Non? Peut-être que je suis en train de péter un plomb, mais... Ouais, on est d'accord, Donovan, hein? La meuf sur la gauche, je pense que c'est la fille qu'on a vue sur le banc. C'est carrément elle, je crois que c'est elle. Oh là là, ça sent la famille de psychopathes, putain. Y a personne? Je peux retourner me... Ouais, ok. Go dodo. Si ça se trouve, tu as vu le fantôme de la fille? Ah, c'est possible. Ah, j'ai oublié de fermer la tente, putain. J'ai dormi la tente ouverte, je suis un malade. Sortir de nuit quand tu entends du bruit autour de ta tente, au mieux c'est un sanglier ou un marcassin curieux, au pire c'est un type ou un ours. Ouais. Ça t'est déjà arrivé de croiser des abonnés IRL? Oui, mais pas souvent. Mais c'est déjà arrivé quelques fois. Bah à la Paris Games Week. Quand j'ai fait une fois la Paris Games Week dans ma vie et c'est là que j'avais croisé des gens qui me suivaient. Ok, on a ramassé la tente. Let's go. Ah putain, il fait bien jour là. Waouh. Personne ne vient du nord. Bah si, moi. C'est des malades d'arriver comme ça, les mecs. C'est des malades. Qu'est-ce qu'il foutait tout seul derrière son arbre, lui? Eh, c'est le mec de la photo. C'est le gars de la photo, lui. Je le reconnais. Eh, excuse-moi. I'm in a bit of a hurry. Je suis un peu pressé. Eh, avant que tu partes, je suis curieux. Where you staying at the cabin? Ah, donc c'est un gars qui vient de la cabine. Bah, c'est sûrement la famille qui loue la cabine. Je sais pas. Ouais, c'est cosy, tu es déjà allé? Oui, quelque chose ne va pas? Non, c'est rien, juste sois prudente. Il est bizarre, lui. Qu'est-ce qu'il foutait là, le mec? Ah, je peux voir la cabine d'ici. Ok, elle est là. Ok, les crocs, on y est. Putain, si la démo se finit maintenant, c'est un fiasco. Hein. Oh. Ok, donc j'imagine que le jeu d'horreur, il va se passer là-dedans. Parce que dans The Stalker 1, c'était dans une maison en pleine forêt. Et là, ça va être là-dedans, en fait.
Ok, faut trouver l'entrée. Ok, putain, c'est tout en bois, hein. J'y suis finalement arrivé, l'endroit a l'air incroyable. Allons explorer et bah regardez quoi. Wow, ok. Bonsoir. Y'a Kika? Putain, le bois il grince. Salut Siraya. Ça doit être l'endroit où je vais dormir. Très bien. Bah hé, en vrai les crocs c'est cosy de fou, hein. Moi j'aime bien. Ah moi j'aime bien. Check out the place. Ok, donc le petit balcon, la chambre, escalier. Hop, ici on a un petit coin cosy auprès du feu. Très bien. Les chiottes. En parlant de shot, je me. I love this place so far, let's make some food. Ah, j'ai faim. Let's go! Alors, faut que j'aille faire à manger, c'est ça? Bah, allons faire à manger, hein. J'ai faim. Ah putain, ça change du barbecue qu'il y a sur notre terrasse. Hein. Qu'on est en train de se faire. Pendant que ça cuit, je peux allumer la lanterne et les bougies. Ok. Ah là. Ah par contre, attendez, la nuit elle est tombée là? Ah non, ok, il fait coucher de soleil. Et je pense que quand il va faire nuit, les crozes, l'ambiance va totalement changer. De jour, c'est beau, c'est mignon, c'est chill, c'est cosy. Mais la nuit, j'ai peur que l'ambiance change fortement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut pas oublier que The Stalked 1 était très flippant. Les mecs, ils savent faire des jeux d'horreur. Hein. Les mecs qui ont fait ce jeu, ils connaissent. Hein. Ah, j'espère que la démo s'arrête pas maintenant. Let's also light up the shed on the house. Non, par contre, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup ce genre d'endroit, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai jamais fait le 1. Je l'avais fait en vidéo, enfin en live il n'y a pas très longtemps. Ah c'est marrant, on a gardé la photo du coup qu'on a ramassée derrière la tente. Oh, j'ai peur qu'il y ait un mec qui me saute à la gueule là. Ah ça a l'air tellement plus cosy maintenant avec les bougies allumées. La bouffe doit être prête. Allons-y, j'ai faim. Oh putain, j'avais pas vu les outils là. Des outils de torture, ça, non? Allez, on va bouffer. Never gonna let you down. Never gonna let you down. Got you. Il commence à se faire tard. Je dois éteindre les lumières maintenant. Putain, il se fout de ma gueule. Je le sens mal, putain. Ça y est, fait nuit. Les roses, regardez, regardez là, regardez le changement d'ambiance. Mais regardez, attends, on va aller dehors, on va aller dehors, on va aller dehors, on va aller dehors. C'est quoi que je dois faire là? Ah, je dois turn off fire. Attends, attends, attends. Juste. Ouais, non, mais plus rien à voir. Oh, on voit rien.
C'est dingue comme une forêt peut changer d'ambiance entre le jour et la nuit. C'est un truc de zinzin. Ça n'a plus rien à voir avec tout à l'heure, hein, on est d'accord, hein. Jamais je sors, tant pis pour le feu, je me légèlerai. Ouais, je suis comme toi, allez hop. Ah! Il n'y a pas de bois ici. Je devrais aller en trouver. J'ai vu une pile de bois à l'extérieur. Je suis ravi. Non, mais là, il va y avoir un putain de jumpscare là. Putain, mais c'est certain. Préparez-vous. Let's go. À la recherche du feu. Ah bah voilà. J'en prends qu'un. Ah ouais, faut que j'en mette plusieurs. Oh là là, il y a quelqu'un. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va débarquer ici. Préparez-vous, hein. Là, là, là. C'est certain. J'en suis sûr. Ma main a coupé. Je vais me mettre comme ça, tiens. Oh là, et ce jeu joue avec nos nerfs, je te jure. La barrière, elle s'est ouverte. La barrière, elle a grincé, elle s'est ouverte. Vous l'avez vu? Elle s'est ouverte devant nos yeux. Non, me dis pas que quelqu'un est rentré là. Me dis pas que quelqu'un est rentré là. La lumière. Merde, ma lanterne. Non. Vite, prends le bois. Prends le bois. Finalement, ma lanterne est revenue à la normale. Collectons les bois. Je commence à avoir très peur. Non, mais attends, il y a eu un bruit. Oh, vite, vite, vite. Non, il y a quelqu'un là, c'est sûr. Alors lui. Non mais alors lui. Oh, c'est encore vous? Est-ce que vous avez ma photo de famille? Je la cherche. Rebonjour. Ne me faites pas peur comme ça. Tu as failli me faire une crise cardiaque. Oui, la photo est à l'intérieur de la cabine. Oh, c'est génial, je l'ai perdue et je ne la trouvais plus. Est-ce que tu peux aller la chercher pour moi? Ouais, bien sûr, je reviens dans une seconde. Ok, j'attends ici. Ah, ça ferait une belle vignette ça. Attends, attends, attends. Je profite pour les vignettes YouTube. Ça fait une bonne vignette. Attendez, hein, je prends des captures. Putain, on le voit plus là. Oh, pas ça, moi. Faudrait une belle. Avec la lune, ça peut être pas mal là, comme ça. Attends, bouge pas trop. Pas mal. Très bon profil. J'aime. Ok. Let's go. Bon, on va aller chercher sa photo. Pour moi, ce mec est très suspect. Je vous le dis, il me fait peur. La photo est là. J'ai hurlé mon cœur. Il a la tête de Ralène en plus, avec des cheveux plus courts. Quoi? Mais c'est lui en fait. C'est définitivement sa famille, sa photo de famille. Allons lui redonner. Ce mec me fait peur. Oh putain, ça fait encore une meilleure vignette là. Oh attends, c'est magnifique. Oh c'est magnifique, bouge pas. Oh bouge pas. Ah vous êtes mauvais, hein.
Vite, j'ai froid. Vite, j'ai froid. T'inquiète, t'inquiète, Lily. Non, par contre, là, je suis désolé, mais j'ai plus envie d'ouvrir, là. L'écroche, j'ai plus envie d'ouvrir la porte, là. Mec, tu devais attendre là-bas. Pourquoi t'es là? Merci, c'est exactement la photo que je cherchais. Je suis désolé d'être venu. Attends, I'm sorry that I took it in the first place. Ah, ok, c'est nous qui parlons. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. C'est pas... Ok, du coup, pas de soucis. Passe une très bonne nuit. Peut-être qu'on se reverra bientôt. Bonne nuit à toi aussi. Ah bah putain. Ah, j'ai encore le bois dehors, faut que j'aille le chercher. Oh! La 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 la. Ok. Merci beaucoup Lily pour le don. Merci, c'est gentil. Asseyons-nous sur le canapé et regardons le feu un instant. Trop bien. On va chiller. Ah, là on est bien. Là c'est les vacances. On va s'endormir sur le canapé, je crois. Ouais, le feu est éteint. Oh putain, à mon avis. À mon avis, on s'est bien reposé là. C'est le matin. On dirait que j'ai dormi sur le canapé. J'ai besoin de mes vitamines. Elles sont dans mon sac. Attends, il fait jour? Oh, mais il fait jour! Excellent. C'est le matin. Très bien. On prend nos vitamines. Je vais beaucoup mieux. Excellent. Bah voilà. Oula. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Pardon? Putain, c'est... Non, c'est la fin de la démo. Ah, les bâtards! Attends. Ça continue. If you enjoy... Oh non, si vous aimez le jeu, blablabla. Non! C'était pas Elisabeth? Elle avait les lunettes. C'était Elisabeth, non? La meuf sur le banc? Ah putain! Bah après, c'est une démo, les crozins. C'est une démo, hein. On devait s'y attendre. Ah, je suis deg! Bah, j'ai envie de faire le jeu, moi, maintenant. Ça sort quand, ça? The Stalk. Attends, je vais aller regarder la date de sortie. Vous avez bien aimé ou pas, les Crozes? Bon, c'était court, mais est-ce que vous avez kiffé quand même ce jeu? Ça a du potentiel, non? The Stalker 2. Alors, ça sort quand, ça? Prochainement. Putain, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date.